assouvir sa vengeance, Phébus a épousé Agnès de Navarre et lui fait désormais subir les pires humiliations. Une jeune paysanne, douce et tendre, Marguerite, s'est profondément éprise de Phébus. Mais cet amour ne suffit pas à atténuer la haine qu'il porte en lui. Guillaume et Pierre, les deux demi-frères bâtards de Phébus, décident de rejoindre les chevaliers teutoniques pour guerroyer contre les infidèles. Phébus, ainsi que ses amis Espin et Ernoton et le fidèle Corbéran, se joignent à eux. En route, ils combattent des paysans révoltés et ont ainsi l'occasion de sauver du déshonneur et de la mort l'épouse du régent et les dames de sa suite. Guillaume, qui convoite le trône de Béarn, fait croire au régent que Phébus et ses compagnons ont, dans l'euphorie de leur victoire, abusé de celle qu'ils venaient de sauver. Phébus, incarcéré au Châtelet sous la surveillance de Charles de Navarre, réussit à s'enfuir, échappant ainsi à une mort certaine. De retour en Béarn, il confond Guillaume et Agnès qui avaient usurpé son trône. Corbéran provoque Guillaume en combat de justice, tandis qu'Agnès réintègre la prison où elle avait fait jeter Marguerite. Dont il remue, ce sera un garçon. Grand et fort comme toi. Insupportable comme toi. Je t'en supplie, Corbéran. Renonce à ce combat. Non. Si tu recommandes ton âme à Dieu, c'est que tu éprouves quelques craintes. Ce n'est pas la mienne que je lui recommande, mais la tienne. Je voudrais que tu renonces à cette vengeance. N'y compte pas. Elle te fait le plus grand mal. Elle me fait vivre. Tu as d'autres raisons de vivre. Marguerite va te donner un enfant. Si c'est un fils, j'ai résolu de lui donner ma succession. Alors réunis les États et demande-leur leur approbation en t'appuyant sur l'antique tradition qui veut que leur souverain soit élu. J'ai réuni ces documents il y a très longtemps. À l'époque, j'avais l'intention de m'en servir moi-même. Je suis heureux que d'un mal ait pu surgir ce bien. Le fils de Marguerite sera comte deux fois. Ça ne fait pas de difficulté à ce que je vois. Surtout si tu répudies Agnès. Ce serait laisser son crime impuni. En prolongeant cette situation, tu t'exposes à de grands dangers. Agnès est une femme redoutable, méfie-toi d'elle. Tu aurais tort de la sous-estimer.
T'inquiète pas. Je le mettrai hors d'état de nuire. Je te le conseille. Dans le cas où ce combat aurait pour moi une issue fatale, fais-moi le serment que si je ne suis plus là pour te protéger, tu répudieras Agnès. Ce combat n'aura pas d'issue fatale, je saurai l'empêcher. Fais-moi aussi le serment de ne pas intervenir dans ce combat. Il rachètera les fautes de ma jeunesse. Tout ça est oublié, tu le sais bien. Moi, je n'ai pas oublié. Répète. Je jure à Corbeyran de le laisser combattre à sa guise, quelle que soit la tournure des événements. Maintenant, allons. Bon, maintenant, allez-vous-en tous. Allez, dehors. Oncle Corbeyran, je réclame votre clémence. Votre force et votre adresse aux armes me laissent envisager le pire. Épargnez-moi. Je t'accorderai moi-même volontiers la vie sauve à condition de ne te revoir jamais. Ce combat est le mien. C'est l'honneur de mon passé que j'y défends. Il doit avoir lieu. Qu'il soit fait selon ta volonté. Bats-toi pour l'amour du ciel. Je n'ose lever mon épée sur vous, Corbeyran. Et maintenant, oseras-tu? Yes.
Je m'entends. Prends un cheval. Couche-le en travers, mais pour l'amour du ciel, enlève Agnès de ma vue. Amir, vite! Amir! Si Corbeyron meurt, et non, c'est responsable, je ne pourrai m'empêcher de l'étrangler. Emmène-la à Belloc. Enferme-la jusqu'à sa mort. Fais ce que je te dis, mais je t'en supplie. Vite, vite! Un mire! Le mire, vite! Demain, j'enverrai quelques femmes du pays pour vous servir. Je vous laisse mon escorte pour vous protéger des brigands. M'en protéger ou m'empêcher de m'enfuir? On ne s'évade pas de Belloc. Vous pensez que j'ai passé toute ma vie ici? C'est la volonté du comte, votre époux. Thank you.
t'ai promis de ne pas céder aux enfantillages de la mort. Qu'appelles-tu les enfantillages de la mort? Demander des serments qui n'ont aucune chance d'être tenus quand on n'est pas là pour les rappeler. Ce matin, hélas, Phoebus, est-ce que tu vas répudier Agnès? Mais non, puisque tu ne mourras pas. Phoebus, jure-moi que tu vas répudier Agnès. Jure-moi que ton enfer va cesser. Jure-moi. Jure-moi. Corbeyran est mort cette nuit par votre faute, comme Myriam. Cette fois, je suis venu vous signifier votre répudiation. Vous allez partir n'importe où, en Navarre chez votre frère, à la cour auprès de votre sœur. Au diable, vous allez partir. Espin, mon ami, Garcia, mon chanoine, sont en route pour Avignon. Ce sera un jeu pour eux d'obtenir du pape l'annulation d'un mariage qui n'en fut pas un. Je vous chasse dès aujourd'hui. Vous entendez, je vous chasse. Un coup de sang. Je
dérangé. Vous entendez? Monseigneur demande de ne pas être dérangé. Ce matin, mon doux Seigneur. Vous ne souvenez pas? Il y a pourtant eu des rémissions pendant votre malaise. Mon malaise? Vous vous souvenez pas? Cette journée d'orage, de forte chaleur, une chevauchée pour me rejoindre. Vous vous souvenez pas? Combien de temps suis-je ici? Depuis 10 jours exactement. Impossible. Si. 10 jours pendant lesquels vous avez comblé votre épouse de joie. J'étais venu ici pour vous signifier votre répudiation. Me répudier, moi? C'est une étrange idée. Mais une idée irréalisable, en tout cas. Apprenez donc. Apprenez donc que dans quelques jours, mon chapelain me rapportera signé la bulle d'annulation. Il faut un motif pour une annulation, non? Notre mariage en fut-il un? S'il en fut un, c'est à moi que vous le demandez. Vraiment, c'est possible que vous ayez... Oubliez quoi? Comment, vraiment? Vraiment. Vous ne vous souvenez de rien de tout ce qui s'est passé ici, entre nous, pendant 10 jours. Vous mentez. Non. Voit-il que l'ardent Phébus passe 10 jours, 10 nuits auprès d'une femme, fût-ce la sienne, sans la toucher? Je suis ton épouse, Phébus. Ton épouse depuis 3 jours. Et ton épouse, tu entends? Je m'en souviens. La seule chose qui m'étonne, que tu ne t'en souviennes pas. Non. Je ne me souviens de rien. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu commettre une pareille ignominie. Je n'ai pas pu tomber sans m'en rendre compte dans un tel piège. Ce n'était pas un piège. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, je veux être examinée par les matrones. Avant que la bulle ne soit fulminée. Et n'oublie pas que 50 personnes sont témoins de ton séjour ici. 50. J'étais malade. Qui le sait? Voilà votre plan. Une vulgaire imposture. Non. Je ne me crois pas, il n'y a qu'à attendre. Attendre 9 mois, nous verrons bien.
serait étonnant que de pareilles prouesses d'amour ne portent pas leurs fruits. Il suffit d'attendre. Alors attendons. Et je te donnerai l'héritier dont tu as toujours rêvé. Je vous donnerai un héritier légitime. Benoît, depuis combien de temps suis-je ici? 10 jours environ, monseigneur. Tu marches la chienne cassée. Je vous jure, monseigneur, sur ma vie. Assure. Tu le jures toujours sur ta vie? Oui, monseigneur. Convaincre d'adultère et vous faire subir le sort des pourritures de votre espèce. Tondu et jeté vivre dans le cave. Voilà ce que vous serez dans 9 mois, chère et tendre épouse. 9 mois, un peu plus, peut-être que 9 mois. Il faudra attendre que la ressemblance s'affirme. Mais je veux bien. Je relève le défi. Si l'enfant que je porte ne crée pas sa lignée, alors je veux bien être pendu et brûlé, noyé, à votre guise. Myriam.
Myriam! Seigneur, que vous est-il arrivé? Voilà des jours qu'on vous attend. Phébus a retrouvé Myriam. Mes amis, j'ai une surprise pour vous. Florence de Biscaye fait ce soir son entrée à ma cour de foi. Marguerite, pas d'Esclandre. Il n'a pas récupéré tous ses esprits, sinon il ne vous aurait jamais fait un pareil affront. Où est ma place? Provisoirement, celle-ci. Place de la relégation. Dans quelques jours, vous serez notre reine, vous le savez bien. Il s'en est fallu de peu que nous ne voyions jamais la délicieuse Florence. Figurez-vous que sa mère, répudiée par le roi d'Espagne et enfermée depuis plusieurs années dans une mauvaise forteresse, avait enfin réussi à s'enfuir en compagnie de quelques dames et de Florence. Elles ont franchi les Pyrénées, mais les envoyés du roi ont réussi à les rattraper. Et heureusement, grâce à sa jeunesse, à sa souplesse, grâce à sa brillante intelligence, notre Florence a réussi à se cacher dans les bois et à échapper à ses tortionnaires. Elle était à moitié morte de faim quand je l'ai trouvée. Dieu a heureusement permis qu'une telle beauté échappe à la mort. Car n'est-il pas vrai, mes amis, que la beauté de Florence est digne d'une reine de foi? Les potages. Soupe dorée, vol aux herbes, brouet de chapon. Maladroit, peur imbécile! J'espère que vous n'êtes pas brûlé. Ce n'est rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je le sais.
C'est toi qui as fait ça? Et quand bien même. Dans un cul de bâche fauche, mais qu'il disparaisse! Tu es fou! Elle va être mère, elle va te donner un fils! Fils. Un bâtard, oui. Un bâtard comme l'autre. Vous êtes. Vous êtes toutes des chiennes! Toutes des chiennes! Sortez! Qu'on m'aime! Sortez! Sortez! Je ne veux plus voir personne. Sortez aussi! Qu'as-tu voulu dire par un bâtard comme l'autre? Que s'est-il passé à Belloc? Plus tard, je t'en supplie. Plus tard. Marguerite. Marguerite, ouvre-moi. Marguerite. Ouvre, Marguerite. Marguerite. Que m'y voulez-vous? Je veux qu'il ouvre sa porte. Je veux, j'ordonne, j'exige. Vous n'avez que ces mots-là à la bouche. Ouvre cette porte. Jamais. Rien qu'à entendre le son de votre voix, la pauvre a dû perdre le peu qui lui reste de vie. Je te donne l'ordre d'ouvrir cette porte. L'ordre? Ça ne change rien. Je vous ai dit non, c'est non. Et si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, c'est bien dommage que depuis la mort de Messire Corbeyran, personne n'ait eu l'aplomb de vous dire non. Et de s'en tenir à ce nom. Tous les malheurs viennent de là. Tu veux te taire, oui. Je te défends de me parler de Corbeyran, tu m'entends? Je le défends. Oh, dame Florine! Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Dame Florine! Marguerite. Marguerite, pardon. Je veux, j'ordonne, j'exige. Pardon. Eh bien, moi, j'ordonne que vous vous poussiez un peu. Si vous voulez que votre façon naisse en bonne condition. C'est ça? Un peu plus tôt que prévu, peut-être. Grâce à votre intervention ce soir, mais c'est ça. J'ordonne, j'exige, mais je ne fais pas voir qu'une femme accouche. Marguerite. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Non. Marguerite. Laissez-moi faire. Oui. Henriette, Marie, vite. De l'eau chaude. Vite. Oui. Oui. Regarde ce parchemin. C'est Corbeyran qui l'a établi. Grâce à lui, ton fils devient l'héritier des comtes de Foix. Je t'épouse. Notre fils sera le deuxième Gaston Phoebus, comte de Foix. Mais c'est impossible. Mais rien n'est impossible. Je vais répudier Agnès.
Je t'épouse. Notre fils régnera sur Béarn et sur Foix. Qu'est-ce que c'est ? C'est Benoît, monseigneur. La comtesse de Foix vient d'avoir un enfant. Monseigneur, c'est un fils. Monseigneur, la comtesse de Foix vient d'accoucher d'un fils. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Oh, Phébus, comment peux-tu parler de la sorte? C'est ton fils, il n'y a pas de doute. Comment il n'y a pas de doute? Je veux dire que c'est à craindre. Tu n'as jamais pu maîtriser tes instincts. 8 jours dans le lit d'Agnès, voilà le résultat. Et moi, je vous dis que non! J'ai passé 8 jours à Belloc, mais c'est non quand même. Je m'en souviendrai, je ne suis pas fou tout de même. Tu ne te souviens de rien. Cet enfant n'est pas de moi. Pas de moi. Vous ne comprenez donc pas la manœuvre, aveugle borné que vous êtes. C'est un bâtard. Un sale bâtard, un immonde bâtard. De qui? Ce que je sais, moi. Eh bien, monseigneur, Ernoton tombe à pic pour vous sortir une de ses petites révélations. Car il sait, lui. Eh oui, monseigneur, puisque les choses tournent comme cela, il est temps que je vous dise. Je connais, moi, le père du bâtard. Tenez, monseigneur, lisez cela. Après, je veux bien être mis en chair à pâté si vous ne connaissez pas le nom de l'heureux père. Et moi, Guillaume, deviendrai l'époux de ma bien-aimée, comtesse de Foix, et lieutenant général du royaume. Ah ! Ah ! La bâtardise fera le malheur de Foix. Ce qu'avait prédit autrefois le vieil ermite. Voilà pourquoi elle était si sûre d'elle. Lorsqu'elle me disait, si cet enfant ne porte pas sa lignée sur tous ses traits, je consens à être pendu, brûlé, noyé à votre guise. Évidemment, son bâtard ne pouvait porter sur ses traits que ceux des comtes de Foix, fût-ce de son grand-père ou de son arrière-grand-père. Ce serait une grave injustice, monseigneur. Ce crime-là, Guillaume, est innocent, je m'en porte garde. Comment peux-tu en être sûr? Ce que dit Ernoton ne tient pas debout. Comment ne tient pas debout? Et ce papier? Quel intérêt aurait eu Guillaume? Peut-être de rédiger un traité d'alliance avec Agnès, mais engendrer un héritier qui le frustrerait à coup sûr de ses prétentions à votre succession? Qu'est-ce que tu vas chercher là? D'ailleurs, depuis que nous avons eu connaissance de son complot, entre messieurs Guillaume et Dame Agnès, il ne s'est pas passé un jour ni une nuit où mes hommes ne les aient étroitement surveillés. Et je puis vous assurer sur l'honneur qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est beaucoup plus simple que ça. Cette femme est capable de tout. Elle se fait faire un chiot par son ménestrel. Le père, c'est ce Roger de Mahaut qui est toujours dans ses jupes. Non, monseigneur. Qu'est-ce que tu en sais? C'est à moi que la comtesse de Foix a présenté le linge de sa virginité. À moi
et à ses deux honorables matrones. Qu'entendez-vous prouver? Mais rien, monseigneur. Sinon témoigner qu'à ce moment-là, ce n'était pas Roger de Mao qui était dans sa chambre. Et qui donc? Vous, monseigneur. Moi? Et en quel état? Endormi. Et inconscient. Éveillé et conscient. Seigneur, je conçois que cette naissance vous soit cruelle, mais... Marguerite... Toi... Il faut que je sache. Il faut voir cet enfant. Examiner ses traits, sa ressemblance. Je préférerais me battre seul contre 100 que de me retrouver devant cette femme. Voulez-vous que j'y aille, moi, monseigneur? Toi? Oui, moi. Et moi seul. Je vous aime assez pour reconnaître votre sourire, vos yeux, vos lèvres sur le visage d'un enfant. Fût-il celui d'une autre. Si malheur veut que cet enfant soit le mien, sais-tu ce que cela signifie pour toi? Pour Yvain, ton fils. Mon fils n'est pas un voleur. Yvain ne volera pas au fils légitime, l'héritage de son père. Et je vous jure sur sa tête que si le fils d'Agnès est aussi le vôtre, je vous dirai la vérité, quelle qu'elle soit. Fasse le ciel que tu n'aies pas à tenir ta promesse. Que tu deviennes la comtesse de Foix. Et Yvain, mon héritier. Dieu seul en décidera. Que faites-vous ici? Je suis venue voir votre fils. Et de quel droit? C'est justement ce que je suis venue voir.
Rassurez-vous, madame, je ne lui veux aucun mal. Fils de madame Agnès. Eh bien, votre fils, monseigneur.